plein de petits bouts comme ça. Je trouvais joli à dire. D'abord, l'arrivée dans la chambre, la valise jetée en travers du lit, la fenêtre que vous ouvrirez pour aérer, que vous refermerez aussitôt à cause de l'odeur des cuisines. Vous vous laverez les mains, vous puiserez de l'eau en conque dans vos paumes. Vous apprécierez le contact de cette eau fraîche sur votre visage que vous essuierez avec la serviette blanche et rêche en soufflant dedans votre fatigue. Vous retirerez votre veston, votre chemise, votre cravate, vos chaussures, vos chaussettes. Vous enfilerez une chemisette propre, votre paire de chaussures ajourée dessus microfibre et aspect d'un que vous avez acquise un jour de solde juste après avoir visité un bricoplus en Isère et qui sont si confortables les pieds nus. Vous ressortirez de la chambre, passerez devant la réception en espérant que la duègne soit absente. Vous quitterez l'hôtel, traverserez à nouveau la place en direction du restaurant chinois. Ce qui vous ferait plaisir, c'est un rouleau de printemps bien frais, accompagné d'un plat de porc à l'ananas et au soja. Vous prendrez un quart de rosé, de vin rosé. Entre le rouleau de printemps et le plat de porc, vous sortirez devant l'enseigne lumineuse pour fumer une cigarette. Vous regarderez quelques passants, la course de deux ou trois mobilettes autour de la statue. Avec le long crépuscule, le ciel demeurera clair et sans étoiles. Vous retournerez à l'intérieur, la serveuse sera polie, la musique chinoise. Vous partirez après avoir longtemps hésité quant au dessert pour finalement prendre deux boules de glace vanille fraise. Vous retraverserez en fumant une dernière cigarette. Le crépuscule sera toujours aussi interminable, le ciel encore d'un blanc laiteux au-dessus des ombres de la place. Dans votre chambre, vous vous allongerez de suite sur le lit en chopant au passage la télécommande du téléviseur. Vous retirerez en poussant d'un pied sur l'autre vos chaussures ajourées en microfibre et d'un. Vous apprêterez sur la lune, cette émission stupide où un animateur rigole en badigeonnant une candidate de crème à raser. Sur la 2, un documentaire sur nos amis les pompiers. Sur la 3, Thalassa. Sur la 4, chaîne cryptée. Vous apprêterez ainsi allongé, vos pieds libérés, votre pantalon de tergale chiffonné. Vous apprêterez jusqu'à ce qu'une étoile vous fasse signe par la fenêtre. Ce sera la nuit et vous fermerez les persiennes. Le repas sera morne. Visiblement, les deux représentants ne s'apprécient guère. On en restera aux banalités. Toutefois, il y aura un moment intéressant lorsque le remplaçant désigné te racontera une anecdote sur l'ancêtre. Il était alors en formation avec lui 10 ans auparavant et ils sillonnaient ensemble le secteur des Ardennes. On était à Charleville et là, vous ne savez pas ce qu'il fait l'ours. Il gare sa voiture devant le cimetière et me dit « Attends-moi là ». J'obéis, je me dis qu'il a sans doute de la famille enterrée ici, mais ça dure, ça dure. Je sors de la voiture, je m'approche de l'entrée et je le vois, recueilli devant une tombe, immobile. À ce moment, un gardien s'approche de moi, voyant que j'ai l'air surpris. C'est la tombe d'Arthur Rimbaud, qu'il dit. Et je me suis renseigné auprès d'autres représentants, l'ours aime la poésie. Un vrai fanat. Paraît qu'il fait le coup à tout le monde, à chaque fois, hop, détour par le cimetière de Charleville. Des fois qu'il y aurait du papier peint à refourguer au macabre. À la télévision, le défilé militaire semble factice. Vous le regardez dans la chambre d'hôtel, en chaussettes et maillots de corps, allongé sur le lit, le pantalon de tergale de la veille enfilé par habitude, mais c'est férié et la cravate est délaissée sur la chemisette, elle-même accrochée à l'unique chaise. Défilé, cortège, carnaval éternel des armées. Véhicules, miniatures, petits soldats de plomb figés dans la raideur du défilé. Même le président qui les salue lorsqu'il passe devant la tribune officielle est pareil à une marionnette. Regard fixe et gestes saccadés. Des commentateurs interrogent des passants, convaincus, des ministres, convenu, tout un consensus sur fond de marche militaire. Autrefois, c'est une époque à autrefois pour vous, tout vous pousse en ce moment à comparer présent et passé. Jadis donc, toute cette mascarade était prétexte à critique. C'était encore la guerre du Vietnam. On se souvenait de pareils chars occupant Prague. Jan Palach était encore si proche. C'est elle qui vous avait appris son nom. Elle était au lycée.
ne loupait aucune occasion pour manifester avec ses fleurs en papier crépon accrochées sur ses jeans. Ce premier été, vous iriez camper. Vous aviez eu un peu de mal à convaincre ses parents, mais la bonne situation, la belle voiture, vos costumes en velours lisse avaient fini par l'emporter. Il reste peu de choses en souvenir. L'odeur de la toile de la tente, le matelas pneumatique qui se dégonflait pendant la nuit, la première cigarette du matin, tout seul devant la brume des eaux froides au bord d'un lac. Elle dormait longtemps. Plus tard, assise en tailleur devant la tente, elle taillerait avec un canif votre pantalon pour en faire un short effrangé. À la rentrée, elle avait retrouvé le chemin du lycée, mais s'était mise en tête d'habiter avec vous. Vous aviez trouvé un appartement, il avait fallu convaincre encore ses parents, seulement d'accord si elle travaillait sérieusement pour son baccalauréat. Vous reveniez le vendredi soir et il y avait toujours quelques-unes de ses copines à la maison, curieuses de vous, envieuses d'elle. Elle n'avait pas eu son bac, n'avait pas voulu redoubler. Ses parents avaient mis en main le marché, vous avez mis en main le marché de son avenir. Vous aviez fixé la date du mariage. Ce n'était pas un piège, tout était si simple. Vous partiez le dimanche soir ou le lundi, vous rentriez le vendredi, parfois une fois en semaine. Ce foyer, votre foyer, avait la légèreté d'un petit feu d'allumette, le grésillement ténu des blondes américaines que vous fumiez maintenant. Fiançailles, mariage et toujours les copines à la maison, de plus en plus envieuses, surtout quand la fille aînée était venue au monde. Elle, toujours insouciante, accrochait maintenant ses fleurs en papier crépon au-dessus du berceau. Chantait pour l'endormir « Dis-lui » de Mike Grant qui venait de disparaître. Vos affaires avaient pris de l'importance. Il ne se passait pas une semaine sans qu'un nouveau client vienne s'ajouter à des tournées déjà chargées. Vous rouliez dans une Audi coupée, dernier modèle, pour rattraper un temps qui filait de plus en plus vite. Des mégots qui débordaient de plus en plus souvent du cendrier. Et pourtant, vous aviez 22 ans. Votre patron, à peine plus vieux que vous, fêtait déjà l'arrivée de son deuxième enfant. C'était autrefois, jadis, un temps ancien, une époque révolue qui vous paraît tellement lointaine aujourd'hui. Quand est-ce que ça s'est brisé? Et où? Pourquoi? Comment? Le président salue une escouade de parachutistes, le commandateur croit bon de préciser que ce sont tous des as, triés sur le volet, vous éteignez le poste de télévision. Dehors, l'orage menace. Voici la mort, avec sa gueule de raie, disait Paul Guimard. La mort vous a tourné autour, poisson venu des profondeurs. En avez-vous eu conscience dans les premiers évanouissements, les comas médicamenteux? Quelques images surgissent, vous réveillent, vous endorment, vous ne savez plus trop. La douleur, bien sûr, massive, intolérable, une poutre lancée à pleine vitesse dans votre poitrine, étroitement associée à la sirène du camion qui hurle encore dans vos oreilles lorsque vous lui coupez la route dans un crissement de frein. La sensation étrange de vous liquéfier, de partir en eau, la sueur glacée qui ruisselait sur votre front, tombée en gouttes lourdes sur le volant, trempez instantanément votre chemise. Vous essayez de relier cette vision à celle qui semble les suivre. La gêne d'un tuyau dans le nez, la soif qui déraisonne, le regard d'une infirmière, d'un médecin, les mots qui vous parviennent sans que vous puissiez les comprendre, la fatigue énorme, un harassement sans nom, quelque chose qui vous laisse hébéter, yeux ouverts sans voir. Encore moins reconnaître les visages des proches qui viennent vous visiter. Votre fils, votre fille, votre ex-femme, vous l'apprendrez plus tard. Les premiers mots que vous retiendrez à force qu'on vous les répète, c'est « Vous revenez de loin ». D'abord, le chirurgien vous les dira, assorti d'explications médicales, l'arrêt cardiaque, le massage des pompiers, la défibrillation, l'oxygène, l'arrêt cardiaque à nouveau. Au milieu de la nuit, on vous croit perdu. On appelle votre famille et contre toute attente, votre cœur, pourtant bien éprouvé, semble résister. Chaque pulsation lente envoie à nouveau du sang, continue à irriguer la rizière patiente de votre corps. Miracle de la médecine de la vie réunie, clame-t-il. Vous revenez de loin. Tout le monde finira par vous le dire, jusqu'à ce que cet aumônier d'hôpital qui vous demande si vous avez vu la lumière de Dieu au plus profond de votre épreuve. Vous secouez la tête en guise de négation. Vous ne pouvez pas répondre, vous êtes encore intubé. Parce que vous ne vous souvenez vraiment de rien.
Cette épreuve, comme il dit, ne vous laissera plus tard que le sentiment d'avoir été brusquement interrompu, ne percevant aucune lumière, ni aucun trou noir, juste une inconscience brutale, une absence définitive, une rupture soudaine de soi que vous estimerez mille fois plus profonde qu'un somme. Vous revenez de loin, et à chaque fois, vous aurez envie de répondre. Deux fois la distance Terre-Lune, 1,5 million de kilomètres en 40 ans, c'est la seule mesure qui me semble vouloir représenter quelque chose. Rimbaud avait raison. C'est un peu la source de la lecture, c'est de la littérature de colportage appliquée à la vie moderne. Le voyage de commerce est à l'origine de tout, même de l'écriture. Nous avons pensé à un abandon quand il a quitté la poésie, mais c'était peut-être pour mieux la retrouver. Ton ami lui répond en terminant d'arranger les tables. Vous et vos catalogues, c'est pareil. La manière d'éveiller les murs, leurs couleurs, leurs motifs, la façon d'en parler, c'est aussi de la littérature. On bosse toute une vie sans prendre garde aux mots. Et après qu'ils partent, les mots, on s'en fiche. On ne travaille pas pour la postérité. D'autres prendront le relais, qu'ils désertent. Toi, petite sportive, et vous, l'ancêtre, vous retenez juste « ils désertent ». Et c'est ainsi que vous avez nommé la librairie.